Re-coucou à tous. Donc me revoilà pour ma vidéo. Donc là je vais vous présenter encore un livre Disney, donc les puppies, donc c'est les bébés. Donc je vais vous en montrer qu'un, mais j'en ai deux. C'est en fait quand j'ai acheté le premier, je sais plus lequel c'est, ça doit être. Je pense que c'est celui-là, faut juste que je regarde. Ah bah tiens, ces deux-là, ils ont rien à faire ici. Donc ça, il me semble que j'en ai un qui va dans le livre Les Princesses. Donc je vais profiter de l'avoir sous la main pour le ranger dedans. Comme ça m'évite de le perdre. Okay. Bon, j'allais commencer au coloriage. Je suis au fond de couleur celui-là. Elle a des converses blanches. Et ça, bah celui-là, vous... tout simplement, c'est un pompier. Donc celui-là, j'ai un livre, je vous le montrerai plus tard. Oh bah tiens, j'en ai encore un là. Donc en fait, c'est quand j'ai acheté celui-là, quand je l'ai regardé, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que j'ai certains coloriages qui étaient en double. Et ce qui... c'est quand même un peu bizarre quand tu achètes un livre de coloriage. Le but, c'est d'en avoir qu'un à la fois. Donc, je suis pas sûre que ce soit celui-là. Alors, on va voir par rapport au... Alors... Donc, en fait, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai envoyé un mail. Par Facebook, j'ai envoyé un message à la boîte Hachette. Et une semaine après, et ben j'ai le deuxième qui arrive. J'en ai un deuxième qui arrivait. Alors désolé, on a les voisins qui sont en train de refaire leur appartement là, puis ils sont en train de taper, faire du bruit, ce qui est chiant. Donc je vais vous montrer sur celui-là. Je pense que ça va être sur celui-là où il y a les deux. Donc voilà. Donc là, ça n'a été déjà fait. Mais il est très sympa aussi celui-là. Après, c'est souvent quand il y a des. D'autres. Comment dire. Quand les. Quand il y a des formes sur les coloriages que c'est pas pratique. Coco. Celui-là, il plairait beaucoup à Corinne, je pense. Avec Pampan. Il me semble qu'il y en a avec Bambi aussi. Bah tiens, le voilà bon. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle habite à Paris pourvu que rien ne change. Encore Bambi et Pampan. Des petits lions. Celui-là, j'avais pensé à le faire, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre avec les formes à l'intérieur des animaux. Ah, celui-là. Là, on voit bien qu'il est juste commencé. C'est des polochons, plein de polochons. Je comprends plus ce qu'elle dit. Voilà, celui-là. Bah, celui-là, je l'ai en plusieurs fois parce qu'évidemment, vu qu'il était en double, eh ben, j'ai pu colorier plusieurs fois. Oh. Je vais me taper avec mon porte-revue. Bon, hop, bah voilà, hop, voilà ce que je vous disais. Celui-là, et il est encore là. Et je me demande si celui-là il y était pas trois fois. Après, je l'ai encore dans l'autre livre, dans celui qui m'ont renvoyé, mais là, comme on voit, il y en avait deux. Et il y avait au moins deux, trois coloriages comme ça, comme celui-là. Celui-là, je l'ai fini dans un livre, j'en avais fait un pareil. Que j'ai envoyé l'année dernière à l'anniversaire de Corinne. Et il y a encore celui-là. Donc Corinne, c'est Rose Bonbon Coco. Polochon. Moi j'aime bien, c'est le petit Pampan. Là, il est trop mignon. Moi, c'est possible que... Je suis désolée, c'est avec le replay, vous avez du mal à les voir. Ça, c'est des petits caméléons. Oh, Serge. Là, c'est un lion. Ah, celui-là, peut-être celui que j'ai envoyé à Corinne ou que j'ai dans mon autre. Et des bisons entrepaulés.
Les petites tasses. Des baisers. Là, c'est Rox et Rookie. Voilà le petit chat. Bon, là, c'est pareil. En fait, ce qui est sympa, c'est que vous les avez en miniature. Bon, après, c'est tout petit, donc c'est plus compliqué à colorier. Donc, en fait, c'est des petites cartes pour envoyer des petites cartes. Ah, je pourrais presque. Je suis en train de penser, je pourrais peut-être m'en servir pour mes envois. Donc là, on en a deux autres. Tic et tac. C'est vieux ça, Tic et tac, Roxy Roxy. Là, c'est des hippocampes. Pour la crème chocolat. Mais en fait, c'est nos vedettes, c'est nos animaux préférés, mes bébés, version bébé. Les animaux Disney, version bébé. Là, on a Bambi et sa maman. Ok, bon, je vous fais directement celui-là, parce que vu qu'il est dans le même livre, parce que sinon, après, je suis obligée de revenir. Donc là, c'est un livre coloriage simple. Donc c'est méditation coloriage, 60 coloriages anti-stress. Bon, je vais pas dû en faire dans celui-là encore. Ou s'il y en a un ou deux. Celui-là, sympa, mais il faudra enlever le gros truc en plein milieu. Ah, voilà, celui-là. Avec quoi j'avais fait celui-là? À mon avis, j'avais testé. C'est ça. Ça va. Il y a une partie avec des feutres alcool et les autres non. Moi, bon, vous inquiétez pas, on vient sur du Disney. Bon, là en fait, c'est tout ce qui est Tibet, tout ça. Je crois que celui-là, c'est celui que mon ex m'avait offert le premier jour où on s'est rencontrés. Et je vous montrerai plus tard celui qu'il m'a offert peu de temps avant qu'on se quitte. Celui-là est sympa. Après, je me dis, des fois, je pourrais presque sur une carte ATC ou faire le coloriage. Après, découper et mettre sur les cartes ATC en fond. Bon, pas tous. Hein, les Disney, je le ferai pas, ça. Hein. Et ceux avec des fonds de fleurs et tout ça, je pense que... Celui-là, je crois que j'avais utilisé les copiques avec. Donc, ce qui est appréciable chez les copiques, c'est qu'en fait, si vous regardez le gris, il n'y a qu'un gris. Et ça fait déjà... Ça fait des... un peu désombré déjà. Là, on a des grosses fleurs. On a un truc comme ça. Ça, sur une carte, ça peut être sympa. Celui-là, il est sympa aussi. Avec les Bouddhas. Celui-là, il pourrait être sympa en fond, d'ATC. Celui-là avec le dragon. Celui-là aussi pourrait être très sympa. Je pense que ça pourrait faire des fonds très très sympas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc, et voilà. Donc là, à la base, c'est les poupées. Et donc, vous avez vu. Aussi méditation 60 coloriages et les deux sont, il me semble que c'est les deux Hachette et loisirs. Ensuite, on va aller sur celui-là. Donc, dedans il y en a deux aussi, c'est des Disney. Donc, c'est le premier, c'est les portraits. Avec Bambi en photo de couverture. Il me semble qu'ils en ont fait un deuxième. Peter Pan. Robin des Bois. Ah, celui-là, il fait peur. Je pense qu'en fonction de comment il est colorié, il peut faire peur. Ah, mais t'arrêtes de bouger, toi.
Pareil, là je pense que c'est des petites miniatures pour faire des petites cartes. Donc je pense ouais, que mon idée peut-être des fois sur mes cartes. Je vais essayer là dans les prochains jours d'en coller un, puis on essayera de la mettre sur une carte. Je pense que ça peut être sympa. Faut que je regarde pour sortir tous ceux qui peuvent faire carte postale de mes albums et les mettre dans une autre album pour pouvoir les faire en carte postale. Les mettre en carte. Moi, oui. J'ai demandé pardon, ça fait plus mal. Et le voilà, le Bambi. C'est seulement tout ça. J'ai quitté les corps. C'est seulement tout ça. C'est seulement ça. Tout le monde que je garde. Le chat Chachir. Donc là, ce qui est marrant, c'est que le chat, en fait, c'est le thème. C'est le thème de la cahier de loisirs la semaine prochaine. C'est que je ramène les coloriages que je regarde si je l'ai celui-là. Pour le faire. Il est sympa. Je sais que j'en ai, mais je suis pas sûre que j'ai celui-là. Balou et Alice. Non, c'est pas elle. Si, c'est Alice. Pareil. Bon, après, il y en a déjà un paquet, mais ça, c'est pas grave. Clochette. Puis, donc, à partir de la semaine prochaine, donc chez moi, c'est les vacances. Et donc, je travaille en accueil de loisirs. Et à chaque vacances, on part sur un thème. Et là, on va partir sur le thème Alice au pays des merveilles. Donc, moi, on est 5 à travailler, puis chacune fait des activités. Et donc, moi, ma première activité que je vais faire, c'est un panneau de direction. Vous savez, où quand elle arrive dans le pays, je sais plus c'est quoi, c'est un pays imaginaire, un truc comme ça. Et qu'elle a les panneaux qui disent par ici, non par là, par ici, par là. Donc, moi, je vais faire ça. Et ensuite, en fait, on va faire une sorte de arche de porte avec des cartes. Donc, ce que je vais essayer de trouver, donc j'ai déjà un peu trouvé mon idée, c'est des coloriages avec des personnages un peu d'Alice au pays des merveilles. Ou pourquoi pas me servir des coloriages, là, les faire réduire en A5, de façon à ce que les enfants les colorient, les mettent sur les cartes, et après faire l'arche de cartes. Ça peut être sympa. Donc là, on a fini celui avec les portraits. Et là, on arrive sur le livre. Du dessin animé de Coco. Bon, il y en a. J'ai me souviens que j'en avais commencé un. Mais évidemment, je ne l'ai pas rangé dedans. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Et celui-là, je crois que j'en ai pas fait en plus. On a regardé, mais il n'y en a pas un. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de livres, mais qu'il y en a beaucoup, il n'y a rien dedans. Celui-là, il est sympa. Je pense qu'il pourrait être faisable. Bah celui-là en carte, il pourrait être sympa, mais ça m'embête d'abîmer Mimi à Disney. Ma direction. C'est tout. Donc, si, évidemment, si je peux, mais c'est pas sûr, parce que vous comprenez qu'un accueil de loisirs, c'est toujours un peu compliqué de faire des photos, mais si je peux prendre des photos des activités que je vais réaliser, mais après, bien sûr, je vous montrerai. Comme là hier, donc, je vais vous poser la question là aussi en vidéo, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait à la main des sacs en toile de jute. Que là pour la fête des mères, donc je sais que j'y suis un peu tôt, mais avec les enfants de la périscolaire, je vais leur faire une pochette en toile de jute, donc une sorte de mini sac, un peu style sac cabas, mais en un tout petit peu plus petit, donc on va dire un peu trousse de toilette à peine plus grand en toile de jute. Et ce que j'aimerais dessus, en fait, c'est arriver à leur faire coudre en avec des sequins, si c'est faisable, un cœur. À l'intérieur, probablement une doublure. Mais en sachant que moi, j'ai jamais vraiment fait de couture. Donc, ça veut dire que c'est une grosse, grosse première pour moi. Et bien sûr, si j'y arrive, je trouverai le moyen d'acheter. J'achèterai le matériel. Et bien sûr, j'essaierai de vous en faire un petit tuto avec ce que j'aurai acheté. Mais je me dis, ce qui est bien, c'est que je vais avoir un petit sac fait main.
Parce que, bah oui, je vais pas l'offrir à ma maman, hein, mon premier sac que j'aurais fait. Donc voilà, donc là on a les portraits et... Coco. Ensuite, bon, il me reste plus beaucoup de temps, après je vais vous laisser pour pouvoir retourner au travail. La neige a l'air de se calmer un petit peu. Donc là, nous en avons un là-dedans, c'est le Love Story de Disney. Donc pareil, c'est encore du Disney, j'ai beaucoup de Disney. Donc ça, le premier que j'ai fait. Bon là, j'ai fait avec les feutrales, quoi. C'est vrai que je suis pas fan. Celui-là, il est trop beau. En fait, il y en a certains, moi c'est plus... C'est pas que je veux pas les faire, c'est que je vais pas oser les faire. Parce qu'ils sont tellement jolis. Il y en a un livre, je pense que vous allez vite comprendre pourquoi. J'en ai un, c'est les affiches Disney. Et les autres, c'est en fait, c'est des parties de films. Mais bon, là, on a Mickey et Minnie. Moi, c'est rare qu'on ait des coloriages avec Mickey et Minnie dans les livres. D'avancer. Ça donne envie d'être avec son chéri, vous n'êtes pas d'accord. De les voir en amoureux. Bon, bah là, comme si deux voitures pouvaient tomber amoureux l'un de l'autre. Bah oui, on va y croire. Ah, Daisy Donald. Pourquoi je ne fais pas l'amour et je m'enferme. Robin des Bois et c'est Marianne. Concerné tous les jours. Et tu veux pas bouger. Bon, là, je pense pas qu'ils soient amoureux. Hein. C'est le papy et le petit-fils. Mais celui-là, il est sympa. Je pense que je vais mettre. Ça là-dessus. Le livre, je vais pas le mettre bien loin. Je pense qu'une fois que je vais avoir fini le coloriage mystère que je fais, je vais peut-être bien partir sur celui-là parce que je le trouve très très mignon au crayon couleur. Bon, je pense que les ballons, ça va être long, long, long à faire. Là, c'est des avions. Ouais, comme si des avions, ça pouvait tomber amoureux. Donald et Daisy. Je pense que celui-là, je vais pas tarder à le faire aussi parce qu'il me plaît bien. Pampan et Pampine, on va les appeler. Blanche-Neige et son prince. Celui-là. Ah, celui-là, je le trouve trop, trop chaud. Vous trouvez pas qu'il est beau, celui-là? J'ai vraiment adoré le faire et je trouve vraiment trop, trop beau. Peter Pan et la belle fée Clochette. Mickey et Minnie. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard chanter. Bambi et Bambette. Là. Il est où Ratatouille? Il est caché dans le chapeau. Ah là, c'est presque des licornes, Soso. Tiens. Ça me donne une petite idée celui-là. Je pourrais même pas vous dire le prénom. Je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 4 ans, je m'en irai. Monsieur et Madame Indestructible. Laissant un almacien. J'entends le loup et le renard chanter. Celui-là, coloria, crayon couleur. Il m'en manque un, je crois, dedans. Oups. Désolée. Allez, on va faire celui-là pour finir pour cette troisième partie de vidéo. Donc là, c'est les girls, les filles. Bon, celui-là, j'en ai fait quelques-uns quand même. Les marraines.
J'entends le loup, la belette, j'entends le loup. Je crois que c'est tout. Alors, Ariel, j'ai commencé Ariel. Belle. Et ceux-là, je les ai fait au crayon de couleur. Mais sur certains, bon là, j'en ai plus. J'avais fait donc avec les polychromos estompé à l'essence sans odeur. Donc en fait, tu prends un coton-tige et t'estompes. Mais j'aime bien. Mais ce qui n'est pas pratique, c'est qu'en fait, ça mélange vite les couleurs. Oh bah tiens, je suis en train de penser, j'avais pas fini. Le livre, je l'ai pas fini. Pas grave. Celui-là, bah celui-là, je vous l'ai montré, c'est le dernier que j'ai fait. Celui-là, il est marrant. Salut, hein. Dommage, je l'ai déjà fait, sinon il aurait pu être très très utile. Là, c'est plein de petites clochettes. Bon, ceux qui sont pas dedans, c'est que je les ai déjà fait, j'ai dû les sortir, les faire. Ce qui est possible, c'est qu'ils soient à la fin du classeur aussi. Oh, bah, il y a celui-là d'Alice qui peut être sympa. Ah, peut-être pour une des cartes. Que je vois avec enfin que je passe à la mairie tiens dans la semaine. Bah celle-ci aussi avec celui-là aussi c'est avec la reine. De toute façon ceux où il y a Alice j'ai mis un petit point en haut. Comme ça je sais où ils sont. Pour les repérer plus facilement. Clochette, t'es pas contente. Ah celui-là. Mérida, donc alias Rebelle. Je sais plus comment c'est son nom, elle. Et voilà. Bon, je pense que. Non, celui-là, il était là. Donc, je vais vous laisser pour cette troisième partie. Donc oui, je vous l'avais dit, hein, j'en ai beaucoup de livres. Voilà, bon, la pile Disney commence à descendre. Il doit rester une dizaine. Je pense qu'il y aura encore au moins deux vidéos sur les livres Disney. Et après, on passera aux livres autres. Donc je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Et je pense que les autres, je les ferai demain. Parce que là, après ma journée de travail, je pense que ça va plus être détente, tranquille. Plus, il faut que je finisse... mes découpes et de préparer mon échange pour l'envoi du groupe de Soso. Donc ma pochette est faite. Simplement. Donc je vous la montre en vitesse, mais je la filmerai en gros. Et je mettrai une vidéo une fois qu'elle l'aura reçue. Donc je vous souhaite à tous une très 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 bonne après-midi. Et à très vite. Ciao, ciao.